Salut à tous, c'est Daddy Family. Aujourd'hui, on parle Philips Hue juste après le générique. Alors voilà, Philips Hue, ce sont les rois des ampoules, même si c'est pas donné, c'est ce qui donne de super ambiances colorées chez nous. Et il y avait un truc que j'avais envie depuis longtemps, c'était l'Ambilight. Mais j'ai pas de TV Philips, j'ai une Samsung. Et pour avoir l'Ambilight derrière une Samsung ou une autre marque que Philips, ben, il faut acheter le kit. J'ai eu 42 ans, comme ma fille me dit souvent, ben oui, je sais, je deviens vieux. Mais pour mon anniversaire, le kit Ambilight est là. Et il est composé de quoi? Du gradient de light strip de Philips Hue, de la box de synchronisation et du pont. Alors, qu'est-ce que ce kit va faire? Ben, c'est un kit à installer derrière votre télévision qui va faire un Ambilight si vous n'avez pas de TV Philips Ambilight. La blague. Donc, je ne vais pas vous faire d'unboxing du kit pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà assez de vidéos qui font d'unboxing de ce kit. Et puis, j'ai pas envie de le faire, simplement. Mais par contre, ce que je vais faire, la journée se termine, je vais l'installer et ensuite je vais vous filmer deux extraits de film et un extrait d'un jeu vidéo. Ensuite, je ferai les différentes ambiances que le kit propose. Ambiance lumineuse, je parle. Je vous retrouverai ensuite demain matin pour vous donner un retour et un avis sur l'installation. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est difficile? Bien sûr, l'installation du kit et de l'application. Et ensuite, je vous donnerai un avis si oui ou non je vous conseille ce kit. À ce soir pour les extraits. Voilà, donc là on est sur Disney+. Je vais mettre un petit morceau de Avengers Endgame où c'est un passage plus sombre, il y a quelques lumières. Puis je mettrai un passage de Star Wars, épisode 7. Et ensuite, on partira sur un jeu. Déjà là, vous pouvez voir que ça change en fonction des menus. On partira sur un jeu de la Xbox Series S, parce que c'est elle qui est branchée sur le U-Sync. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée de plusieurs styles. Partir sur Star Wars.
Voilà, vous avez vu Star Wars. Maintenant, on va repartir sur un jeu. Je vais couper. On va partir sur Dirt 5. Déjà là, la photo d'intro. Alors, on va quitter. Je vais vous montrer quelques lumières d'ambiance qui sont préfaites par Philips dans l'application. Et ensuite, ben, on se reverra demain matin pour la fin de la vidéo. Voilà, là, on arrive sur les thèmes déjà faits par Philips. Alors, ils sont doux. Voilà, je vous retrouve demain matin pour la suite de la vidéo. Salut, bonne nuit. Bon, me voilà après ma douche comme promis. J'ai quand même mis le peignoir pour vous éviter de voir mon corps d'Apollon à la retraite. L'essuie, c'est pour mes cheveux, mais bon, tout le monde sait que j'en ai beaucoup. Revenons-en à Philips. En premier, parlons de l'installation du kit. Il faut bien dégraisser la TV, car il y a 5 appliques à poser. Ne vous trompez pas de sens, c'est du 3M, ça colle bien. Honnêtement, c'est facile à placer, il ne faut pas forcer, cela se met tout cool et doucement. Concernant l'installation en elle-même, je n'ai pas trouvé de défaut car tout est pensé au plus simple. On place la light strip, on la branche au boîtier de synchronisation, ce dernier au port HDMI de la TV et les différents appareils qui diffuseront l'image, lecteur Blu-ray, console, Chromecast, Apple TV, etc. au boîtier. Car oui, il faut que ça passe par le boîtier pour que l'Ambilight fonctionne. Cela ne prend pas nativement sur une application de Smart TV. J'y ai donc branché la Nintendo Switch et la Xbox Series S qui fera office de lecteur pour les applications de streaming. Concernant les applications Philips Hue et Philips Hue Sync, il faudrait être privé de ces 5 sens pour ne pas savoir les installer et ensuite installer le kit car tout le suivi est détaillé avec une image animée. Un enfant de 6 ans pourrait le faire. L'installation du kit et de l'application, ça prend 30 minutes en étant cool. Une fois placé derrière la TV, ça donne ceci. Maintenant, parlons des défauts. J'aurais aimé que le boîtier de synchronisation soit compatible HDMI 2.1, car avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X, ça va poser souci. Et que le câble HDMI fourni soit un 8K, vu le prix. J'ai donc acheté un câble 8K à part, idem un câble USB qui lui sert à allumer et éteindre le boîtier en même temps que la TV. Le câble 8K, c'est pour activer le eARC et le Dolby Vision. Mon avis, est-ce que ça vaut le coup? Oui, vraiment, le prix est oui conséquent, mais rien que le mode ambiance, on est conquis. On est beaucoup plus concentré sur son écran, les nuances de couleurs sont très douces. Moi, j'ai baissé la luminosité pour faire plus cinéma, c'est une question de goût. Concernant l'Ambilight actif lui-même, c'est juste du pur bonheur. Que ce soit film ou jeu vidéo, on est tout de suite totalement immergé. Il manque un petit truc sur les côtés, mais Philips y a pensé.
Bien évidemment, c'est payant, c'est 108 euros le kit, ce sont deux petites barres lumineuses. J'ai rencontré un souci avec la Xbox Series S, mais ça a été réglé. En fait, il faut remettre les paramètres à défaut, c'est-à-dire d'usine, et ensuite remettre les réglages pour que l'Ambilight fonctionne avec les jeux, simplement. Je vous mets en lien dans le descriptif toute mon installation, TV, le kit, la Xbox Series S, les câbles, pour que vous puissiez les retrouver plus facilement pour vous les acheter. Merci de mettre un like sur la vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche. À bientôt. Une petite vidéo post-générique pour vous expliquer pourquoi j'ai mis une image. Parce que c'était à cause des droits d'auteur pour Star Wars et Avengers Endgame. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire comme eux, ils font une petite vidéo post-générique pour vous expliquer. Je trouve ça complètement débile de bloquer deux extraits de films. Surtout que ça fait de la pub à Disney+, et que ça fait de la pub pour les deux films, mais bon, que voulez-vous. Donc du coup, j'espère que la solution est passée et que vous pourrez voir ma vidéo.